merci. Je vais mettre la piste, j'ai sur 4 unités différentes. C'est vrai, on va dire la spécialité, c'est la publicité, c'est ça. Effectivement, mon cher Jean-Louis, c'est pour ce parc chéri, des gâteaux. J'en vois là devant nous. Pour vous, à l'instant même, eh bien, qui paraphrase quelques suivants, c'est-à-dire une bonne prestation, nous avons déjà plus haut que 6 points de la marque Citroën, avec les garages de François. Là, vous pouvez l'applaudir, hein, oui, depuis l'année dernière, il a fait 40 victoires à 50 heures. Sans ici, il est vrai que toi, tu as déjà brillé en Picardie. Attends. Viens d'Assonville. Allez, public, vous l'avez compris. Tous les palmarès se retrouvent. Le président du club organisateur, monsieur de l'Essonne, en position du public. Ah oui, bah c'est l'occasion. Le départ est arrêté au kilomètre. 3 minutes, il va plus là. C'est parti, messieurs. Bonne course à tout le monde. Alors nous avons pris le départ en rotonde, on a passé une petite minute de silence, on a déposé une gerbe de fleurs donc pour tous ceux qui ont perdu leur vie, nous ont donné cette liberté d'aujourd'hui. Et donc Paris s'est lancé, c'est parti sur les chapeaux de roue. Il y a déjà une échappée qui a pris déjà à peu près entre 20 et 30 secondes. Ici, nous sommes à Camelin. Nous allons en direction de Blérancourt où il y aura le premier point chaud donc de la journée. Une échappée qui est partie dès presque le kilomètre zéro. Et donc ici, nous sommes au kilomètre 24. Dernier pointage, Marseille sur une avance sur les pontons. Et Jean-Pierre, donc ici nous sommes au kilomètre 43, ça va peut-être être la moyenne de la première heure. Une échappée de 18 coureurs qui a pris de l'ampleur jusqu'à plus de 2 minutes d'avance. Derrière, le peloton est hésitant. Je pense qu'ils attendent surtout la venue de la première bosse et le premier grimpeur de Coucy-le-Château. Pour l'instant, le temps reste serein. Quelques gouttes d'eau, à peu près 20-22 degrés. Donc des conditions pour faire du vélo. Et nous allons voir bientôt l'échappée se rapprocher de Pierre-Mende. Une échappée très très bien organisée. Une échappée qui peut aller quand même assez loin. Il y a des coureurs là qui sont dans le coton, mais qui grimpent fort. Je me dis toujours, ces coureurs-là, il faut les utiliser. Oui, sur le plat, au moins ils vont être efficaces, parce que quand on va arriver dans les bois, ça va leur manquer. Paris-Chauny, donc nous avons fait la traversée tout à l'heure de Coucy-le-Château, donc l'échappée, il est toujours de 17 membres, un peu plus de 2 minutes 40, derrière ça a du mal à s'organiser. Nous avons traversé Saint-Gobain,
donc toujours le deuxième meilleur grimpeur de la journée. Et ici actuellement nous sommes au kilomètre 70, nous sommes dans la butte d'Aminiroui, une très grande ligne droite, peut-être pour le peloton pour s'organiser. Donc et nous sommes encore à 20 km du ravitaillement à Frière-Fawell. Donc c'est une course assez compliquée actuellement pour le peloton. Il y a des échappés qui sortent, mais ça ne réussit pas vraiment et l'écart bien sûr grandit. Il commence à devenir inquiétant, surtout qu'on se rapproche tout doucement du ravitaillement. On va avoir une deuxième phase de course et je dirais presque avantage à l'échappée. Il rebonde, hein. Oui, alors, presque, là, j'étais apprenti à Barizy-Aubourg. Et tes parents, ils habitaient juste sur la place. Là. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Alors ce monsieur, on s'est croisé dans sa boulangerie il y a 30 ans. Il y a 30, quoi, au moins 30 ans. Voilà, des moments, on dit toujours le monde est petit, mais oui, voilà, on se recroise là sur une course cycliste. Donc, et tu faisais les championnats du monde. Oui. Tu étais échappé à 3, je crois. Ouais. J'avais eu mes pas complet au four. Oui. Ils ont cramé. Ah, tu vois, donc. Ils ont cramé. Voilà. Je lui ai fait perdre de son bénéfice. Ouais, c'est pas grave, mais j'étais un plaisir. Mais bon, c'était comme un championnat du monde, quoi. Les coureurs, les douaniers et compagnie, ça. Allez, devant. Allez les gars, allez-y. Faut vous dire que là actuellement nous sommes sur Virinroy, il y a un passage à niveau qui fait Chauny-Ternier, il s'est fermé actuellement. Bon, il y a toujours des faits de course en fin de compte, hein. Donc je ne sais pas si le train sera passé avant l'échappée. Si l'échappée a ouvert, donc en fin de compte ça ne gênera pas du tout l'épreuve et Paris-Chauny sa traversée de Virinroy. Donc le peloton est arrêté. Ah, c'était dommage. C'était une 55. Mais bon, la course, ça veut dire qu'elle n'est pas... Ah oui, donc oui, ça va être compliqué pour la course. Voilà, je suis à côté des partenaires de Paris-Chauny. Là ici c'est le groupe Auchan donc de Virinroy, donc qui profite d'une journée très agréable, qui aide le cycliste, qui aide Paris-Chauny, qui aide les organisateurs, qui aide le pôle économique aussi chaunois. Donc c'est très intéressant. Juste pour vous dire que ce passage à niveau qu'il y a eu à Virinroy s'est fermé juste avant que l'échappée arrive. Donc ils sont repartis 30 secondes après. Mais le peloton est juste derrière. Donc la course va sans doute prendre une nouvelle forme. Et tout sera à refaire. Nous sommes à une diguée actuellement et la météo vient un peu déranger donc le fil du film de Paris-Chauny. Donc une échappée vraiment qui tient tête au peloton. L'écart était de 30 secondes au passage à niveau, il est remonté à 1,15. C'est vrai que devant, avec le champion de France Espoir d'Assonville de chez Big Mat Aubert, donne l'impulsion sur cette échappée qui veut vraiment être déterminante sur le final de Paris-Chauny. Donc là ici une liguée. Nous arrivons sur un endroit propice où là peut-être le peloton, l'échappé de 17 coureurs, risque de se scinder en plusieurs parties. Et dans ce échappé de 17 coureurs, il y a ce champion de France d'Assonville que je viens de vous parler, où je le trouve vraiment très très frais. Donc je pense qu'il va jouer un rôle majeur dans cette côte de Guivry qui est un moment incontournable de Paris-Chauny.
sommes arrivés à Chauny, nous avons été confrontés donc à un orage très violent pendant quelques kilomètres. Ça a fait exploser en fin de compte le peloton, bien sûr à travers bien sûr la côte des Guivry. Ça a été quand même une difficulté avant de retourner sur le circuit final. Un parcours de 5 km à effectuer 5 fois. Donc avec un peloton complètement explosé. Et pour le groupe des 17-18 coureurs, lui aussi est en train d'exploser actuellement. Donc et la course en train de se dessiner. Et il y a toujours ce fameux champion de France espoir qui est devant la course avec des futurs stagiaires aussi, donc qui vont aller être confrontés au niveau dès le 1er août. Un coureur comme Sarraud de l'armée de terre qui est bien présent aussi dans cette échappée. Donc on attend le défilement du film. Donc actuellement 16 hommes en tête et ensuite un groupe de poursuivants de 6 hommes et un deuxième groupe de poursuivants de 5 hommes. Oh, j'ai l'impression que Marc Fournier, s'il en était ainsi, pourrait souffler Benoît Danac. Mais rien n'est terminé, David. Nous serons au prochain passage, David. Au dernier tour. C'est le président qui va faire. On va le suspense. Même si hein. C'est en train de se fracturer, le suspense est total. Et en tout cas, on se réjouit de cette nouvelle édition. Voilà, attaque de Marc Sarraud à l'instant même. Et Marc, l'homme de la Ronde de l'Oise, révélé avec les plus grands professionnels et commandé et dirigé par l'incontournable David Lima da Costa, le monsieur, l'adjudant de cette formation de l'orbiteur. Flavia Dassomil se dit, est-ce que je dois attendre ou continuer à animer eh bien les derniers kilomètres. En tous les cas, Marc Fournier est en train de reprendre le commandement. Et bien voilà ce qui est fait avec la Marc Fournier. Fais-tu-tu. C'est au sprint. Ouais, c'est... L'armée de terre, c'est l'armée de terre. L'armée de terre. C'est la dernière classique. Oui, il y a 10 minutes, il y a 5 jours d'aujourd'hui. Donc ça démonte en fin de compte la notoriété des preuves et les gens qui ont envie de s'inscrire. On va commencer le chemin bien arrivé. Et ça, ça peut se faire rapidement. Après les niches d'été, ça peut se faire. J'espère que Mérabie va quand même peser dans la balance. Le chemin. Contrôle médical, il est où là? Merci au stade. Moi, je sais que j'ai. Je sais que je suis professionnel et c'est vrai qu'on parle peu du Tour de France, mais je dis toujours que c'est comme une maison, il faut une fondation. Dans cette fondation, c'est le cycliste amateur. Je pense que c'est vraiment très agréable de voir des partenaires qui suivent le système amateur. En fin de compte, c'est presque la fondation et ces jeunes gens là, comme ici, là, c'est vrai qu'on parle d'Anne Audemars, de Nasser Boinet, qui sont des grands sprinteurs français. Et bon, ça c'est la relève de demain. Donc vous voyez, l'investissement, il porte ses fruits. Et... Nous, tout va bien. Bon, j'espère qu'au 2015. En plus, c'est un soleil. D'accord, tout va bien. Il a toujours fait beau à Paris-Chauny et voilà, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Comment s'est passée la course? Il faut faire avec. Moi, je troquerais bien mon micro contre un magnum au chocolat blanc. Voilà. C'est pas mal, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah écoute, j'ai failli que l'amitié qui régnait, et surtout la convivialité qui régnait, et puis j'ai aperçu, tu sais, le serpentaire qui était un petit peu... Le serpentaire. Comment il s'appelle le clown? Lolotte. Ah, c'est Lolotte. Ah, c'est Lolotte. Et je connais la chanson Lolotte. Bah, c'est l'équipe qui est en tête de la Coupe de France. J'ai entendu parler qu'éventuellement cette équipe serait professionnelle l'année prochaine. Donc c'est tout à leur honneur. C'est une équipe qui est forte. Autant sur l'effectif, sur leurs moyens de logistique. David m'avait dit que cette année il viendrait avec de grosses ambitions. Il voulait, comme il dit, claquer par échelonnier au palmarès. C'est son schlet. On le retrouvera avec beaucoup de plaisir sur le podium protocolaire. Mais aussi Flavien de Sonville, parce que moi j'avais penché pour Flavien. On le retrouvera bien sûr sur le podium à la troisième place. Alors, on va demander à David Manade. Ah.
Donc on a vu un très beau final avec trois coureurs qui se sont échappés extraits pour le dernier tour. Donc avec Marc Sarron de l'Armée de Terre, il y avait Marc Fournier donc de Nogent-sur-Oise, et puis le champion de France d'Assonville, donc de Bill Matobert. Bah, eux trois, ils ont laissé en respect les coureurs de chez Lotto, Lotto Bellisol, une équipe belge donc, qui forme bien sûr des futurs professionnels. Et ça a été vraiment très très compliqué à garder cette distance de 10 à 15 secondes, 10 secondes même. Et c'est Marc Sarron qui l'emporte au sprint, donc devant Marc Fournier. Deux coureurs qui sont dans la formation de la Française des Jeux, FDJ.fr. Marc Sarron, le vainqueur de Paris-Chaux, qui rejoindra à partir du 1er août la Française des Jeux comme stagiaire pour faire quelques courses, voir son comportement, comment il se situe dans cette fin de saison avec quelques courses professionnelles. Et Marc Fournier fait deuxième de Nogent-sur-Oise, donc premier représentant Picard, et troisième le champion de France espoir d'Assonville. Un beau podium, une belle brochette. Donc c'était de la quantité au niveau de l'épreuve et en même temps de la qualité. Donc un très beau Paris-Chamonix, arrosé par quelques orages. Hein, le temps n'était pas vraiment de la partie, mais le public par contre était bien présent et on fêtait Paris-Chamonix comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements. Dans le final de ce Paris-Chamonix, remporté encore une fois de plus par Marc Sarron. Retenez bien son nom, c'est de la lignée de Marc d'Arnaud Demain et de Nasser Boigny. Allez, remise du lot, regardez, une belle coupe, un coffret Axe de magnifique fleurs. Avec des fleurs dans le monde. Appelez donc la paix et l'ensemble du monde. Et la paix est sachée avec toute la tendresse d'être. La nation du public, c'est la nuit dont on a envie. Un compagnon au cours de sa maman. Bien sûr, quel est le bon. Mais maintenant, 21 ans. Il n'a pas qu'une seule chose à faire. Ça va, c'est quand même vrai de se dire qu'il y a quelque chose de venir. Et tu m'as besoin. Alors, on a vécu une belle après-midi de sport. Malheureusement, les conditions météo nous ont un peu gâché, on va dire, le final. On a vécu une montée de gibris assez dantesque. On s'est aperçu que dans le bassin chamonix, on aime le sport, le vélo particulièrement, Guinel. Parce qu'il y avait du monde, même sous les parapluies. On a un podium qui est juste magique. Un champion de France qui est troisième. Un Sarron qui est de l'Armée Terre qui était venu pour s'imposer, ils l'ont fait. Bah moi je pense que malgré tout c'était une belle édition et j'ai hâte de revenir en 2015, peut-être au cadre ICI pour vivre une nouvelle édition de Paris-Chamonix. Qu'en pensez-vous ? David est un très grand organisateur et je crois que là-dessus il n'y aura aucun problème. Et moi ça me donne des souvenirs de voir un militaire de 21 ans gagner aujourd'hui à Chamonix. Et je me dis, moi à 21 ans j'étais où ? Bah, je rentrais du service militaire. Voilà, donc félicitations au vainqueur.